Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Rome de Nouthaloir avec l'Égypte ptolémaïque dirigée par l'influente Cléopâtre VII, notre pharaon. Donc, j'ai enfin, comment dire, achevé la conquête de l'Éthiopie. La Libye c'est presque fini, mais il y a surtout ces régions la Judée, Nabatéen, il y a toute l'Arabie. Je lance sur toute l'Arabie et Palmyre. J'aimerais bien pouvoir faire une frontière ici. Le territoire que je contrôlerai ici, hein, hop. En mettant peut-être la Mésopotamie et la Syrie en tampon, je sais pas. Hein. Antoine, par contre, il galère, je veux dire. Pompée lui a piqué la. Bienvenue, mais ne vous attendez pas. Nous n'avons pas Et... encore perdu l'esprit, ni notre courage, et vous vous enlisez encore dans votre fange. La paix, bah! Nos légions continuent. Bon bah, je vais te laisser te faire. Je vais te laisser avec les autres machins, les Garamantes et les Numides à des frontières. Hein. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la guerre au. Bah, Antoine les a lâchés. Bon, il n'y a personne à Jérusalem. Nabatée n'est plus le pantin d'Antoine. De piller la ville. Et on va construire ici une ville. Vous comprenez ce que je fais, pourquoi est-ce que j'ai mis ma recrutement, enfin mon recrutement plutôt. À parler, je suis un peu con. Va occuper la région là, au sud. Parce que comment, moins 8, ça craint. Bon, on va essayer de faire, de calmer les choses. Au pire, on écrasera une ou deux révoltes. Ah, c'est vrai que... Cléopâtre a une nouvelle capacité, enfin... Plus d'autorité en tant que général. Alors qu'est-ce qui se passe du côté des ennemis? Heureusement qu'on voit pas tous les mouvements parce que sinon ce serait vite très chiant. Rébellion des Chopis! Ok. Ptolémée. Ok, les rivaux ont gagné d'influence aussi, c'est pas grave. On va rester dans la région. L'influence, je suis combien? C'est bon, j'ai encore beaucoup d'influence. 36%, c'est bon. Faut que je crée plus d'agents apparemment. Jérusalem, est-ce que je crée un agent? Petra, allons chez Petra. Une grosse armée Jérusalem. 1 et 12 régiments. Arrière.
Je comprends. Promptement. On va rester là. On se prépare à attaquer Petra. Puis ensuite, on va descendre la côte. Et si on peut après envahir les autres machins qui sont ici. En passant par la mer Rouge. Les esprits ont remarqué que nos réserves d'argent. Au revoir. Bah non. Je file pas ma thune. Je file pas mon cash, mec. Rêve pas. Alors, sa gueule où? À Aksum. Bon. Oh, déjà. Le Gugus qui fait pas lui. Cet homme, autrefois estropié, guéri Épidore. Bon. Les gens retournent au travail, bande de feignasses. Qu'est-ce que les gens feraient pas pour pas bosser, hein, bande de glandeurs? Ah, le bâtiment ici, donc on va faire un truc à Memphis. On va faire des réserves de bouffe, parce que je pense que la nourriture va être problématique d'ici peu. Et j'ai envie de faire une grosse zone à bouffe ici. Et puis là, ce sera plutôt un bâtiment de type culturel. Attends, Antoine, je pense qu'Antoine va se faire pulvériser ici peu. Allez. Alors, ils veulent se battre? Bah, sans, si je les fume. Non, je suis pas heureux que je perde une grosse partie de mon armée. Non, non, je vais le faire manuellement. Alors, bon, la situation, elle est comment? Pas terrible. C'est une colline de merde, c'est du classique. Bon, face au singe d'en face. On va faire un truc très simple, on va essayer de... Oh, j'ai tenté de les baiter. On va essayer de faire un petit piège. Je veux pas justement les attirer dans un guet-apens. Là, c'est le général.
Andios. Elle descend de la colline, mon 9 d'épée. Nous les avons laissés venir. Ils ont choisi cette bataille, mais cela veut-il dire que... Les renforts ennemis sont en approche. Les renforts, les d'épée. Ils sont les venir. Enfin, c'est quoi? C'est beaucoup de frondeurs. Frondeurs, c'est du piqué. Le problème des piqués, c'est que les épées sont justement là pour... C'est la lourde. Hein. C'est de la légère ou de la moyenne. Frondeurs en plus de portée. En général, c'est quoi? C'est... Le bretteur, donc c'est de la infanterie lourde. Nos unités cachées ont été découvertes. Accélère un peu quand même les mecs hein. Nos unités cachées ont été découvertes. Oui bah c'est pas grave ça. Tirer là-dedans ça veut faire un peu de DE. Foutre le zbeul. On se casse, restez pas ici, crétin. Là, c'est quoi? C'est que de la. Oh putain, eux sont séparés. Parfait, on les charge. Oh bah, si, ils gardent. Les unités là. On va engueuler ça dans le dos, hein. Et foutez-moi ça. Oh, parfait. Leur archer commence à vouloir passer seul sans se faire garder. Continue à massacrer, continue à tuer. Défaillant, oui bah achevez-les. Non, achevez-les. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Descendez. On va choper cela. Et là, on va descendre par là. On sépare leur armée. Parfait, c'est beau ça. Bah, vous foncez là-dedans. Vous laissez tomber cela. Et on va désorganiser tout ça. Donc ils arrêtent de me tirer dans le dos là, sinon j'ai pas envie qu'ils vont bousiller mes unités. Vous chopez tout ce bordel et vous le massacrez. Parfait. Là voilà, le piège se referme sur... Le piège se referme lentement sur toutes ces troupes là. Voilà, tout ça, ça va mourir. Après on va choper cela, puis cela. Là ici on referme la nasse peu à peu sur l'ennemi.
Par contre, faut se casser là. On reste pas là. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. La cavalerie doit foutre le camp. Faut absolument qu'on foute le camp. Faut pas rester à se faire massacrer. Vous bougez ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à... J'engage l'armée ennemie. On va bouger par là. Et je vais choper leur... Continuer à battre leurs archers dans le dos, hein. On va faire un contournement comme ça et après par ici. Si leur piqué continue à me courir après et à faire les débiles. La bataille tourne en notre faveur. Oui, ça j'ai réalisé, hein. Je suis pas con. On fait une ligne par là. Voilà, continue à taper. Allez, la cave! Allez. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Vous êtes tous merdiers là. Je sais que vous êtes épuisés, je sais. Abattez-moi tout ça. L'ennemi là franchement tout flanche. Ah ça y est. Les régiments là ont même pas voulu. Ont même pas. Pas eu besoin de les éliminer. Il a juste suffi de contourner par derrière. T'as vraiment les stats de malade. Tout ce qu'il faut c'est annihiler. Comment dire. Leur infanterie, leur support. Enfin leur support là. Et quand vous mettez en déroute une partie de leur armée. Le reste a tendance à suivre. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'armée qui fout le camp, l'autre moitié commence à paniquer aussi. On va vendre en esclavage. Et on va pouvoir prendre Petra, la capitale de Nabatéen. Oh, les pèlerins à Jérusalem. De toute façon, Jérusalem, il y a toujours des mecs là qui se prétendent pèlerins ou qui font... prétendent être des mystiques ou je ne sais quelle divinité. Enfin bon. Voilà, on prend Petra. Et puis on a la ville de façon. On va piller ce coin. On construit. Mégapole. Inconnu pour l'hygiène. Loyer, on va prendre. Là, on va raser. Eh, foutez que je m'occupe des rebelles qui sont là, non? Allez, on va les massacrer ceux ici. Oh les lâches. Hâtez-vous. Pas de quartier. Tu vois, ça se passe bien. Dans tout l'empire. Dans le royaume, ça se passe bien. On sent un truc ici, oui. Amodium. Peut-on construire. Du coup, faire plus de fric parce que j'aurai besoin de beaucoup de pognon d'ici peu. Et Kidri. Il faut que je prenne Adumatu. Et après que je descende vers Egra et Charmutas.
Là, on va stabiliser un petit peu le coin là. Et on va s'occuper de tradition. Essayer de sécuriser toute l'Arabie. Nous voulons que vous rejoigniez cette guerre, ainsi que les... Je peux pas, je suis désolé, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de pomper en plus. Déjà, toi et déjà Lépide, je n'aurais pas dû venir. Je peux pas non plus être dans 50 guerres à la fois. Il était gentil, mais j'ai mon propre agenda aussi. J'espère que cette offre de pièces vous mettra dans un état d'esprit de camaraderie et de respect. J'aurais dû accepter. Pas mal. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, soulèvement d'esclaves. Alors, les massacrer, c'est tout, hein. Bon, bah, on trucidera des gens. Allez, on les finit. On les voit comme esclaves, c'est FDP. Et voilà. Et hop, on rentre à la maison. On va limiter la carte. Boum. Moins 1. Là, c'est que ça remonte à chaque fois. Dans un tour, on sera à moins 0. Et dans deux tours, on sera à plus 1. C'est bien ça. Plus 4. Moins 10, plus 20. Donc en gros, si je me barre. Je vais prendre Egra, voir quel état est la ville. Il n'y a même pas de ville. La ville, il n'y a rien. Oui, c'est ce qu'on va faire, c'est quoi construire, de quoi justement bâtir des temples religieux. Martial. Ce qu'on va faire, c'est clairement que ça va être une zone. Ça va être une zone à commerce ici. Hein. Calmer ces coins-là. La prochaine ville sera... Je ne comprendrai pas, sera celle-ci. Le but, c'est d'avoir toute l'Arabie. Bah tiens, vertu pour monter le public sera pas mal, ça. Ce sera nécessaire. Nous serions dûment reconnaissants si vous pouviez mener un assaut contre ces gens. Il ne s'agit pas de grand chose. Ah, il file du fric. On va accepter. Il me paye pour que je glande. On va accepter. Non, le Nabatéen, il passe là. Charmutas, ils sont vraiment désespérés les mecs. Très loin de cacher des découvertes, bon, pas trop grave. Il est là pour espionner justement. Aksum. Il y a beaucoup trop d'esclaves. Ah, j'ai pas de faire des esclaves.
Un truc pour gagner. Une petite flotte ici. Je vais créer une nouvelle armée ici pour pouvoir lancer l'attaque. Voilà, 3... Alors, 3 tours, je recrute une armée entière. Et on va lancer l'invasion en masse de la péninsule arabique grâce à ces armées. Et une fois que la péninsule arabique sera sécurisée, on s'occupera des Romains. Et je pense que... Oh là, Nabaté, qu'est-ce qui se passe? Une réseau rébellion? Oh, quelle surprise! Je vais me casser les pieds avec des... laves. Bon, je pense que je vais arrêter là l'épisode ici, hein. Là, c'est parce que moi, Aksum... Bon, c'est... C'est calmé, enfin dans le sens où, disons que ça, sens où, disons que ça a pas plus gueulé. C'est des bretteurs et des notorax, ça c'est... Ah. L'armée full malade. Comment puis-je aider Pharaon ? Bon, deux tours, eux ils embarquent pour Charmutas. Bon, je vais juste me contenter d'encaisser ici. Et je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Ciao.